Pollux. Oh là là, je vais être en retard. Zébulon, Zébulon. Où est-il, ce Zébulon? Zébulon! J'entends Margot qui m'appelle, je ne suis pas Zébulon, prêt. Zébulon. Oh, cette maudite moustache Zébulon. Qui ne veut pas se tenir Zébulon. Droite. Eh, tournicoton de tournicotis, quel frisotis. Oh là là, allez, tant pis, hein, tournicotis, j'y vais comme ça. Et Zébulon qui ne vient pas, je vais manquer mon rendez-vous avec Pollux. Zébulon! Ma chère Margot, excusez-moi, je suis en retard, tournicotard, je sais plus ce que je dis, tournicotis. Pollux m'attend, partons vite, Zébulon. Alors vite, 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 un, deux et trois. Pollux, Pollux, me voici. Bien sûr, il n'est pas là. Il a dû s'impatienter et repartir. Oh, je suis en retard et Margot m'attend à notre rendez-vous. Mais c'est que je suis vraiment très en retard. Oh, pardon, monsieur, excusez-moi. Oh, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Et dites donc heureusement que vous avez de bons freins. Excusez-moi, dites-moi, je suis très pressé. Oh, ben moi aussi. Vous allez par là? Moi aussi. Ben, nous allons faire route ensemble. Oui, c'est que, voyez-vous, j'ai un rendez-vous. Et moi aussi. Je me présente. Oui. Ambroise. C'est ça. Bon, enchanté, monsieur Ambroise. Mais laissez-moi passer. Je suis très pressé, vous ouais. savez. Mais vous laissez passer, vous laissez passer. Vous voyez bien qu'on ne peut pas me doubler, oh. hein? Écoutez, monsieur Ambroise, hein, nous pouvons nous arranger. Je vois pas comment, hein? Si je passe sur vous, crac, je vous écrase. N'est-ce pas? Bon, tandis que vous pouvez passer sur moi, hein? Oh, d'accord. Je vais faire marche arrière, hein, et je passe sur vous. C'est ça. Bon, alors allez, tout droit, vous pouvez aller. Encore là? Oh, c'est dégoûtant. Il bave, n'est-ce pas? Et bougez pas, monsieur, ça glisse, hein? Oui, là, je vous en prie. Oh, mon vieux, oh là. Écoute, dépêchez-vous, je suis pressé. Mais moi aussi, je suis pressé, oh là. Oh là là. C'est le petit chemin qui conduit chez Pollux. Je vais peut-être le rencontrer. Ah, le voilà! Eh bien, Pollux! Oh, ben, je suis désolé, Margot, monsieur. T'es pris dans un encombrement. Alors, tu vois, voilà. Oh, Pollux, que tu es amusant avec cet escargot sur la tête. Quoi? Margot! Pollux! Oh, mais c'est merveilleux! Oh, ben! Dites-oui, écoute, vous allez vous dépêcher, vous, là-haut. Hein? Hey, vous allez vous dépêcher? Laisse-le, Pollux! Il a l'air si content de nous voir. Oh, ben, je pense bien, Margot! Faut que je vous embrasse! Attention, Margot, c'est que quand il embrasse, il bave, n'est-ce pas? C'est très embêtant. Oh, je suis venu pour faire votre connaissance. Je vous vois à la télévision. Vous avez la télévision? Dame, toujours! La télévision me suit partout. Vous n'avez pas remarqué, là? Au-dessus de ma tête, hein? Moi, ouais, je suis équipé pour les deux chaînes, hein? Je suis moderne, quoi. Ah, c'est votre antenne de télévision? Ben voilà, alors je me suis précipité. Oh, le précipité, qu'est-ce qu'il faut entendre? Je suis précipité pour vous voir parce que je voudrais devenir votre ami. Vous êtes bien aimable, monsieur. Monsieur, comment? Ah, c'est vrai, Ambroise. Je m'appelle Ambroise. Eh bien, monsieur Ambroise, vous faites partie de mes amis. J'espère vous revoir souvent. Oh, ben moi aussi. Oh là là, ben je suis quoi? À présent, voulez-vous me déposer sur une belle feuille verte, hein? Je meurs de faim, alors je m'excuse, hein? Oui, mais je vous en prie, enfin, au moins celui-là, il ne mangera pas mon sucre, n'est-ce pas? Mon pauvre Pollux, tous ces retards nous ont pris notre temps. Nous verrons la prochaine fois. À présent, il faut que je rentre, Zébulon doit s'inquiéter. Et j'espère que cet Ambroise restera chez lui, hein? Au revoir, Margot. Au revoir, Pollux. À bientôt. Zébulon, Zébulon. Mais voilà, Margot. Tu vois, j'ai réparé ma moustache. Alors, ce rendez-vous? Pollux est en retard et j'ai rencontré un nouvel ami. Je suis bien contente. Alors, tout va bien. Nous rentrons. Tournicotons.